7 avril nous rappelle que c'est là le début du génocide contre les Tutsis. Donc si on parle de début d'un événement, automatiquement, on est sûr et certain que cet événement a bel et bien eu lieu. Donc ça, c'est une réponse irréfutable à tous ces gens-là qui peuvent soit hasarder à le nier. 1994 Tutsi genocide left thousands of survivors with physical and mental scars. It is in a moment like this that we have to come together to remember and stay stronger in numbers, but also to seek out those who are the most vulnerable among us. Tulibuka umuryango munini wacu utuye hano muri Edmonton muri Alberta muri West ya Canada. Tulibuka bacu bazize uko bavutse barenga miliyoni bagiye tukibakeneye. Niyo mpamvu uyu munsi hashize imyaka 26 tukaba ari muri urwo rwego turi hano kugira ngo tubunamire dukomeze tubibuka imiryango yacu inshuti. Je vais aussi demander à tout le monde qui va regarder peut-être cette présentation que si vous connaissez des rescapés ou des gens qui ont vécu cette période-là, dans ces temps-ci où est-ce qu'on est tous confinés, je crois que c'est vraiment, vraiment très important que vous preniez de leurs nouvelles, parce que je sais que certains vont vraiment retomber dans cette période-là, parce que toute guerre commence toujours par un confinement. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui, en étant renfermés chez eux, ne pouvant pas sortir, se rappellent de ces événements-là. Le thème de la commémoration « Remember, Unite, Renew » nous rappelle une fois encore l'impressionnante résilience dont a fait preuve le peuple rwandais au fil des 26 dernières années. Chers amis rwandais et rwandais, l'esprit de réconciliation et de tolérance qui vous anime constitue la base de la reconstruction sociale et physique. Kwibuka is then the inspiring recognition that our society is united and should forever remain so. It is how we remain focused on joining our hands to recreate a successful and transformed country. Le Rwanda a été la scène d'un génocide d'une ethnicité Tutsi qui a été abandonnée par la communauté internationale. Et il est facile d'accuser les Nations Unies, même simpliste, d'accuser les Nations Unies pour avoir abandonné les Rwandais. Non, on a fait des erreurs tant sur le terrain qu'au secrétariat. Mais l'abandon a été par tous les autres pays du monde qui auraient pu intervenir et qu'ils ont absolument refusé. We welcome you all to the 26th commemoration of the genocide against the Tutsi in Canada. Thank you for choosing to join us, the people of Rwanda, on this day of remembrance. We are commemorating in rather unusual circumstances, given the social distancing that is affecting us all. With the help of technology, we thought it important to observe this day despite these challenging times we find ourselves in. The event is being streamed both on our High Commission's Facebook and YouTube accounts. It will be conducted in three official languages of the Republic of Rwanda, two of which we share with Canada. May I now invite you all to observe a minute of silence in honor of more than 1 million victims of the genocide against the Tutsi.
Lieutenant General Roméo Dallaire. We also have among us heads of some of the biggest organizations of genocide survivors in Canada. We have Jacques Guirangira. We also have Pascal Kanyemera from Humura Association. We also have Siegfried Murego from Memory Keepers from Edmonton. Jacques is with Page Rwanda that is based in Montreal. We are missing one person, an important person for this ceremony. It is one of the survivors who's going to give us his testimony. I understand he'll be joining us anytime from now. I now invite the current president of Humura Association to deliver his remarks. Humura is a genocide survivors group based in Ottawa, Gatineau. Pascal Kanyemera, please. Merci beaucoup, Igor. Excellence, le haut commissaire de la République du Rwanda au Canada. Honorable Lieutenant Général Roméo Dallaire. Honorable Robert Oliphant. Chers compatriotes rwando-canadiens. Messieurs les représentants des associations de Page Rwanda et Memory Keepers, chers survivants et survivantes du génocide de Tutsi du Rwanda, mesdames et messieurs, je ne peux pas m'empêcher de souligner que c'est un grand honneur pour moi de partager la même plateforme avec M. Roméo Dallaire, de la décision de rester au Rwanda au cours de ses 100 jours d'horreur et d'attirer l'attention du monde entier à ce moment, a grandement contribué à rendre public l'hécatombe qu'a connu le Rwanda en 1994. Au nom de Humura, l'association regroupant des Rwando-Canadiens de la région d'Ottawa-Gatineau, dont des survivants et survivantes du génocide de Tutsi du Rwanda, je voulais vous dire du fond du cœur merci. Before proceeding, I would like to take a moment to thank each and every one of you who worked hard to make sure that in 2020, here in Canada, we do have a commemoration event in spite of the unusual circumstances that we are currently in due to coronavirus pandemic. La date 17 avril est entrée tristement dans l'histoire du monde. En 1994, pendant 100 jours, un projet diabolique a été mis en exécution au Rwanda, maison par maison, quartier par quartier. Les Tutsis étaient et sauvagement assassinés. Hommes, femmes, jeunes, vieux et même de nourrissons n'étaient pas épargnés. Every year here in Ottawa Gatineau region, we do commemorate the genocide against the Tutsi by organizing different activities, especially in the month of April. Unfortunately, as survivors of this genocide, we still lack a memorial site, a place where we can go and pay respect to our loved ones. Thankful, since last year, we have a dedicated team that is working day and night on this project of making a memorial site a reality on Ottawa-Gatineau region. Aux membres de Humura et nos amis, je dis merci en avance de votre participation à ce projet important. Nous vous contacterons bientôt avec détail pour votre contribution. The 1994 Tutsi genocide left thousands of survivors with physical and mental scars. It is in a moment like this that we have to come together to remember and stay stronger in numbers.
but also to seek out those who are the most vulnerable among us. Just a simple phone call to a genocide survivor, especially to those who live alone, may be the little boost that they need that day before they lose hope. Let's not forget that the impact of confinement that we are facing right now is making the situation even worse. In the Humura Association, we have a team that is dedicated in helping those with social and health issues. Please do not hesitate to contact us. We are always ready to help if needed. Nkuko mubizi kubera icyorezo cya coronavirus mu Rwanda naho bafashe ingamba nk'iza hano, abantu benshi ntibagishobora kujya ku kazi ku buryo guhahira ingo zabo ubu ari ikibazo gikomeye. Nubwo guverinoma n'ibindi bigo byihariye byashyizemo akabo kugira bafashe abatishoboye, ntekereza ko umubare nkwize ko natwe muri Canada twashyiramo akacu tugafasha abatishoboye barimo umubare munini w'abacitse ku icumu. Mushobora kubikora ku giti cyanyu cyangwa mugakoresha ubundi buryo bwashyizweho mu gufasha muri rusange. En conclusion, je voudrais souligner encore une fois que pour l'association Humura, pour les survivants et les survivantes du génocide Tutsi du Rwanda, notre vœu le plus profond est que ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda n'arrive jamais à aucun autre peuple dans le monde. Gardons le flambeau du souvenir allumé. Mukomeze mwihangane muri ibihe bitoroshye. Murakoze. Murakoze Bwana Kanyemera. Munyemerere dutega amatwi Jacques Rwirangira, umuyobozi wungirije wa Page Rwanda. Notre prochain intervenant est le vice-président de Page Rwanda, une association des parents et amis des victimes du génocide contre les Tutsis du Rwanda. Elle est basée à Montréal. Jacques. Murakoze. Banje kubifuriza ikaze abantu mwese mwashoboye kuza kuri uyu murongo kugira ngo dukore umuhango wo kwibuka. Umuhango wo kwibuka kuri itariki ya 7 Mata 2020 kugira ngo twibuke ku nshuro ya 2026 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iki ni igikorwa gikomeye cyane. Mu izina rya Page Rwanda nagira ngo mbihanganishe mwese kandi nshimire n'abafatanyabikorwa bose twagiye hamwe kugira ngo dushobore gukora iki gikorwa. Je vais poursuivre en français, tout simplement en parlant sur les aspects de la commémoration. La commémoration, particulièrement la date du 7 avril, est très très importante d'observer cet événement-là de commémoration. Dans le fond, on se rappelle tous que c'est le 7 avril que le génocide contre les Tutsis a commencé. Telle la naissance d'une personne, d'un enfant, après cela, on peut déterminer sans aucun doute que oui, l'enfant existe pour de vrai. Donc la personne existe. Pour un événement aussi, c'est valable. La date du 7 avril nous rappelle que c'est là le début du génocide contre les Tutsis. Donc, si on parle de début d'un événement, automatiquement, on est sûr et certain que cet événement a bel et bien eu lieu. Donc, ça, c'est une réponse irréfutable à tous ces gens-là qui peuvent se hasarder à le nier. Donc, la commémoration reste un outil très, très important
dans la reconnaissance du génocide. Parce que si on le commémore, c'est parce qu'il a bel et bien eu lieu. Mais qui commémorons-nous? Nous commémorons, bien sûr, pour rendre hommage aux victimes. Plus d'un million de personnes, rappelez-vous, a perdu la vie pendant le génocide contre les Tutsis. Une vie qui leur a été arrachée par et pour le simple fait qu'ils sont nés Tutsis. Sans égard à leur âge, à leur sexe. Il est très, très important de rappeler ces moments-là parce que c'est notre devoir d'alerter le monde, de rappeler le monde sur une base constante que cet événement a eu bel et bien lieu. C'est très, très important aussi de rappeler comment ces personnes sont mortes dans la peur. Une peur de longue date. Parce que avant que le 7 arrive, ces gens-là vivaient dans la peur, due au fait qu'ils étaient tout simplement stigmatisés, dû au fait qu'ils étaient symbolisés, qualifiés à travers des cas d'identité, pointés du doigt constamment, en commençant par le petit enfant de l'école qui commence son école primaire à 7 ans, qu'on lève de son banc pour s'assurer que, oui, dans le fond, pas pour s'assurer, il savait déjà, mais pour en faire la distinction entre les enfants. Donc, c'était toute une idéologie qui remonte à très, très loin et que les victimes du génocide, les rescapés, ont tous subi durant des années. C'est très, très important de rappeler à des moments comme ça, quand on commémore, que le génocide ne survient jamais par accident. Il y a des étapes préalables, précurseurs, et c'est très, très important d'échanger là-dessus. Et c'est un moment très, très important de pouvoir en parler aux plus jeunes, aux jeunes générations, pour qu'ils apprennent désormais à les contrer. Ainsi, on peut éviter d'autres catastrophes dans ce sens-là. Nous commémorons aussi pour offrir un moment de communion, de réconfort aux rescapés, certains qui vivent avec, oui, la douleur dans la chair, dans leur âme, mais surtout pour ceux qui vivent avec le sentiment de culpabilité, comme s'ils auraient pu en faire autrement. Dans le fond, oui, nous commémorons un bon moment particulier, mais le souvenir reste une base régulière. On se rappelle constamment les éléments, les événements dans lesquels nous avons perdu les nôtres. Mais quand on se met ensemble un jour particulier comme ça, ça nous donne un moment de partage, de sentir que nous ne sommes pas seuls, car c'est très, très difficile de porter ça tout seul. Je rappelle aussi que dans des moments de commémoration comme ça, et c'est un exercice très, très important, que nous devons tenir année après année et que nous devons tenir et montrer aux générations qui nous suivent pour que à jamais ils arrêtent. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'on aura pu ou qu'on pourra faire si nous les oublions une fois, une minute, ils auraient péri pour rien. Et c'est très, très important qu'on ne les oublie jamais. Il y a un adage en Kinyarwanda qui dit « Nimuzazima tuchiriho. Nimuzazima tuchiriho. Tuzabibuka,
turiho none kandi tuzakora uko dushoboye kugira ngo n'abana bacu uyu muhango bawukomeze kugira ngo tubibuke ubudashira. Je vais terminer par les aspects aussi de comment on commémore. C'est des symboles qu'on établit et qu'on observe. Comme je l'ai dit, au niveau de Page Rwanda, c'est une tradition que nous vivons personnellement. Depuis le 7 avril 1995, j'ai participé à un événement de commémoration. Jusqu'à présent, 26 ans après. Au-delà des circonstances du COVID, de confinement, où nous devons bien sûr respecter toutes les mesures mises en place par la santé publique pour ne pas le propager, mais il fallait absolument trouver une façon de le faire autrement, parce que la technologie nous le permet, de pouvoir créer cette plateforme et qu'on puisse commémorer ensemble online, qu'on puisse arrêter tout ce que nous faisons chez nous et prendre cette minute et à l'heure précise, vous avez tout arrêté et vous avez pris soit votre téléphone ou votre ordinateur, vous nous avez rejoints pour participer à ce moment-ci. Je vous remercie encore une fois. Et pour terminer, dans les symboles de commémoration, je reprendrai l'exemple qu'on fait très très année après année chez Page Rwanda. On organise une marche tous ensemble, donc toute la communauté large de Montréal. Nous marchons tous en silence, sans pancarte, sans mégaphone, jusqu'au fleuve Saint-Laurent, avec des fleurs. Nous les posons sur le fleuve, dans l'espoir que tous les cours d'eau se rencontrent quelque part et ainsi ils pourront aller jusque sur les corps des victimes du génocide qui ont péri en étant soit noyés ou jetés dans les rivières, notamment le tristement célèbre Nyabarongo, pour que ces fleurs-là aillent à leur tombe. Une façon tout simplement de leur donner une sépulture normale qu'ils n'ont jamais eue. Je vous remercie encore et je vous souhaite d'être serein dans ces moments difficiles. Murakoze cyane. Murakoze Bwana Rwirangira. Next is Siegfried Murego, the current vice president of Memory Keepers Association, a genocide survivors group active in Edmonton, Alberta. Siegfried. Yes, as you say, my name is Siegfried Murego. I'm the vice president of Memory Keepers of Association of 1994 of genocide survivors here in Edmonton, near Balta. So our association is a no-profit organization of Rwandan Canadian live here in Edmonton, in Alberta, in the west side of Canada. So this association has started in 2007. And right now, for some of survivors took initiative to found the association. And right now we are about 200 of survivors members in our association. So our association have several objectives and projects, and some major objective is one of the major one is to organize and coordinate every year commemoration of the 1994 Rwanda genocide against Tutsi. The second one is to perpetuate our spirit of solidarity and to bring us to close together. The third one to create a network of exchange of information useful in the integration of our members in our environment. The fourth one is to promote the principle of eradication of the cause of genocide in the participate in the management of the consequences. So those are the
objective of our Memory Keepers Association, and we have some projects and activities. And one of projects in 2015, a team of survivors make a launch of teaching some of in the high school and the university here in Edmonton. So they are going around the universities and high schools to educate the students regarding our genocide happened in Rwanda against Tutsi. So the second project is a memorial monument of here in Edmonton. In that project, the three steps. The one step was a processing, a request of land of construction. And the second one, it was a designing of memorial monument. And the last one was the founding of our monument. So right now we are in the process. We are ongoing project because we were just waiting for approval of the city of Edmonton. So another activity of Memory Keepers Association, it's keeping testimonies. So we have a cooperation with a team of doctors in the universities, and they are specialists to how to keep the testimony. So we are now working with them, because we started already. The project has started like 3 years ago. We are now keeping our testimonies. And another one, we have another activity, because Memory Keepers encourage our survivors how to write the books. Write the books about their history. So we have one of survivors right now. We have a book ready. They called, it's in the French, Langoise de Delayed. So as I conclude, I can say, we must tulibuka umuryango munini wacu utuye hano muri Edmonton muri Alberta muri West ya Canada. Tulibuka bacu bazize uko bavutse barenga miliyoni bagiye tukibakeneye. Niyo mpamvu uyu munsi hashize imyaka 26 tukaba ari mu rugo rwego turi hano kugira ngo tubunamire dukomeze tubibuka mu miryango yacu nshuti. Tunigisha cyane tunigisha aba next generation what's happened like in 1994, bikababera isomo nabo kugira ngo bamenye iyo bajya. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo utamenye iyo yavuye ntamenya iyo ajya. Niyo mpamvu tugomba kwigisha abana bacu, tukabigisha bakigira ku mateka kugira ngo bamenye urugendo ruri imbere no kugira ngo bazabeho neza. Murakoze. Je vous invite maintenant à écouter un témoignage particulier, un témoignage d'un rescapé du génocide contre les Tutsis. Chico Kirenga avait 9 ans durant cette période. Son témoignage nous offre ainsi le regard d'un enfant sur la folie du monde des adultes. Chico. Merci beaucoup de me permettre de pouvoir parler en cette journée qui est si importante pour nous tous. Je remercie aussi à tous les panélistes de prendre le temps, malgré ces temps difficiles avec le virus, de pouvoir prendre quelques minutes pour souligner la mémoire, se rappeler de tout ce qui s'est passé en 1994. Alors, je vais commencer par vous raconter un peu comment moi, ça m'est arrivé, en version un peu écourtée avec le temps. Mais je vais quand même raconter les points les plus importants lors des événements de 1994. Alors, moi, à ce moment-là, j'avais à peu près 9 ans. Mais on sait très bien que les troubles ont commencé bien avant ça. Donc, même en tant qu'enfant, je comprenais un peu l'évolution des choses. Ma mère, une bonne partie de sa famille vivait au Burundi. Et mon père avait un très bon travail au Rwanda, à Kigali. Donc, malgré le danger, ce qu'il faisait, en fait, c'est que dès que ça chauffait un peu, dès que ça devenait un peu dangereux à Kigali, on envoyait les enfants au Burundi, chez nos tantes. Et puis, de là-bas aussi, il y avait quand même quelques troubles.
toujours à base ethnique, donc on voyait ça aller, mais dans ma tête d'enfant, je voyais un peu où ça s'en allait. Et puis, vers 93, lorsqu'on approchait un peu les accords, et puis qu'il y avait l'ONU un peu partout dans le pays, on a senti qu'on approchait un peu la fin des troupes, donc on a fait, ma famille a fait venir tous les enfants au Rwanda, et à ce moment-là, on habitait un peu dans les environs de l'Emera, et on a commencé l'école, ça c'était en 93. Et puis, entre-temps, le FPR est arrivé à Kigali, puis on a fini par déménager à Nyamirambo. Et rendu à Nyamirambo, après peut-être 3-4 mois, donc là, on approche avril, les accords ont été signés. Et puis, le long week-end, justement, dans le week-end dans lequel on est présentement, mes parents ont eu l'idée de prendre le week-end à eux, donc entre amoureux, si je peux dire ça ainsi. Et ils ont envoyé tous les enfants chez notre voisine, qui était deux maisons plus loin. Et chez cette voisine, c'était une très bonne amie de ma mère, et chez eux, il y avait autant d'enfants qu'il y avait chez nous. En passant, nous, on était 7 chez nous au départ, et la plus vieille vivait déjà ici au Canada pour les études et vivait dans la ville de Québec. Donc, les 6 enfants, on est allés chez la voisine, qui eux aussi, ils étaient environ 6 et 7. Et avec leurs voisins, en tout, dans cette maison-là, on était environ une vingtaine de personnes. Et le 6, ça, c'est quelque chose que je raconte souvent, c'est que le 6, le soir, un peu en fond avant que l'avion explose, moi et deux de mes amis, on jouait à l'extérieur, on jouait aux billes. Et puis, je me souviens qu'on a vu l'avion exploser dans les airs. À Kigali, étant très petit, il n'y avait pas autant de lumière qu'il y a maintenant. Donc, nous, on a vu ça un peu comme un feu d'artifice, quoi. Et on est rentré à l'intérieur, excité, pour raconter à tout le monde de ce qu'on venait voir dans le ciel, qu'on venait de voir un feu d'artifice. Et quand on est rentré, c'est sûr que tous les adultes suivaient la situation à la radio. Et puis, je dis toujours que je ne vais jamais oublier le regard que j'ai vu sur les adultes à ce moment-là. Jusqu'à maintenant, je m'en souviens comme si c'était hier. Ayant vécu un peu au Burundi lorsqu'il y avait eu des troubles, lorsque le président Burundi a été assassiné et tout. Donc, j'avais déjà vécu dans des situations difficiles comme ça, mais c'est la première fois que je voyais le désespoir que j'ai vu dans les yeux des adultes à ce moment-là. Et eux, ils écoutaient la radio, ils suivaient un peu les choses. Et dès le lendemain, on entendait déjà les coups de feu. Il y avait déjà des barrières dans la rue en face de la maison. On nous disait de ne pas aller jouer à l'extérieur. Et tout le monde était ensemble à l'intérieur, mais nos parents étaient toujours deux maisons plus loin, donc chez nous. Et puis, on avait un domestique à ce moment-là qui, lui, était libre de circuler entre les maisons et de se balader. Mais c'est un domestique qui était avec nous depuis qu'on était enfant. Donc, presque tous les enfants chez nous sont nés avec nous. Donc, on lui faisait vraiment confiance. Et à ce moment-là, c'est lui qui venait nous donner les nouvelles des parents, comment ils vont. Donc, le 6, le 7, ainsi de suite. À un moment donné, il nous a dit que les miliciens sont venus à la maison, donc ils sont venus chez les parents, et mon père a pu leur donner quelques biens, la voiture, quelques bijoux, de l'argent. Et je vais toujours me souvenir que la voiture de mon père, à un moment donné, j'ai cru l'avoir vue passer. Il y avait la porte passagère arrachée, mais... Et je reconnaissais très bien la Peugeot 505 de mon père. Donc, je disais à tout le monde, ça, c'est la voiture de papa. Et on me disait, mais non, c'est impossible. La voiture de papa est à la maison. Et à peu près vers le 12, ils ont fini par traverser. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais les deux parents ont fini par nous rejoindre. Et on s'est retrouvés tous dans cette maison-là. Donc, toujours aux alentours d'une vingtaine de personnes. Mais pas longtemps après que mes parents aient traversé, le lendemain, le 13, les miliciens sont venus. Je crois que quelqu'un leur avait dit qu'on était tous là, car ils étaient très heureux de venir là, puis nous disaient « Enfin, on vous a trouvé. » On est tous sortis, sauf les parents qui étaient cachés dans une chambre au fin fond. Mais je voyais que les miliciens n'étaient pas satisfaits, comme s'il manquait quelqu'un. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit qu'ils savaient qu'on était là, que mon père était là et ma mère. Et ils ont fini par trouver mon père et ma mère. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'ils fêtaient, ils célébraient, ils disaient qu'ils avaient trouvé le jackpot, ils nous insultaient, ils insultaient mon père, et ils nous disaient que ça y est, c'est la fin pour vous.
Donc, on commençait à nous diriger vers la rue. Et moi, dans ma tête d'enfant de 9 ans, à ce moment-là, je n'avais pas peur de ce qui se passait concrètement. J'étais surtout en train de me dire, c'est impossible qu'on va mourir. C'est impossible que la vie finisse comme ça. Je me disais, entre adultes, ils vont pouvoir négocier, mon père va pouvoir trouver une solution, puis on va retourner à la maison. Et quelques jours plus tard, tout va être terminé, on va retourner à l'école. Et puis là, pour résumer un peu, il y avait des miliciens, mais il y avait un militaire qui, c'est lui qui dirigeait le tout. Donc, les miliciens avaient des machettes, toutes sortes d'armes un peu artisanales. Mais le militaire, c'est lui qui avait vraiment une arme automatique. Ensuite, rendu là, ils nous ont sortis sur la rue à Nyamirambo, donc pas très loin du parc Lafiki, où est-ce qu'il est maintenant, pour ceux qui connaissent. Et ils nous ont tous assis sur le trottoir. Donc, en ligne, si on veut, les 20 personnes. Et le militaire était assis à l'arrière de sa camionnette et il était au milieu de la rue, donc sur la ligne jaune, juste pour donner un peu une référence aux gens. Et il nous disait, à ce moment-là, il recevait beaucoup d'appels sur son walkie-talkie, il communiquait avec beaucoup de gens. Je crois qu'à ce moment-là, ils étaient vraiment très occupés, ils avaient beaucoup de gens à tuer, si on veut. Et à un moment donné, il nous a dit que il a un travail à aller faire et qu'il va revenir dans environ une quinzaine de minutes et qu'il nous laissait le choix de décider comment on voulait mourir. Si on voulait que ce soit par l'arme automatique, si ce soit les machettes ou une grenade, tout simplement. Ensuite, il est parti et les miliciens sont restés, ils chantaient, ils célébraient. Et pour ce qui est des gens de ma famille et les voisins, tout le monde a commencé à argumenter sur qu'est-ce qu'on devrait choisir comme arme. Quelqu'un disait, par exemple, que ça serait mieux une grenade. Comme ça, tout va se passer rapidement. On ne va pas s'en rendre compte. Mais quelqu'un d'autre disait, non, une grenade, on peut y survivre, on peut perdre des membres, être handicapé, et ça sera encore plus douloureux que tout simplement une balle. Et en tout cas, l'argument a continué. Et certains ont commencé à prier. Ma mère était très croyante et la dame chez qui on était aussi. Donc, les deux ont commencé des prières et ils priaient pour qu'on nous accepte pour entrer au paradis. C'est ce que je me souviens. Et moi, en tant qu'enfant, là, je me disais, mais on va vraiment mourir. C'est impossible. C'est impossible qu'il y a quelques jours, on était dans une vie très normale et puis que là, on va vraiment mourir, ça va être la fin. Et là, j'ai commencé à me demander ce que l'effet de la balle allait faire. Et je me disais, est-ce que je vais le sentir venir? Est-ce que je vais voir des images allant vers le paradis, un peu comme on nous disait à l'église, ou bien il va faire noir d'un coup et ça finit là. Et entre-temps, le militaire a fini par revenir et nous a demandé ce qu'on avait choisi. Et les adultes ont dit qu'on avait sélectionné l'arme automatique, le fusil. Et il s'est dit « OK ». Il a commencé à charger son arme, sa Kalachnikov, je peux préciser. Et puis, il prenait vraiment son temps. Et il a commencé à tirer au bout, à l'opposé d'où est-ce que moi je me trouvais. Et en tirant, là, j'entendais des cris et tout ça. Et puis, des fois, son arme s'enrayait, il prenait le temps de la ranger, puis il continuait à tirer. À un certain moment, il a changé son chargeur. Et moi, à un certain moment, je me suis laissé tomber dans le conduit d'eau. Pour ceux qui savent comment c'était fait dans le temps, mais je pense que c'est toujours un peu fait comme ça. Donc, à côté des trottoirs, il y avait souvent une espèce de conduit d'eau fait en béton. Et par réflexe, je me suis laissé tomber dedans et j'ai commencé à courir dans le conduit d'eau. Mais pas longtemps après, le conduit d'eau s'est terminé, donc je devais retourner sur le trottoir et c'est à ce moment qu'il a réalisé que j'étais en train de m'enfuir. Et il a commencé à tirer vers moi. Et tout ça, je l'assumais parce que j'entendais ça de derrière et j'entendais les balles siffler vers moi. Et à un certain moment, je suis tombé. Mais je n'ai pas réalisé que je suis tombé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ouvert les yeux et j'étais au sol. Et en étant au sol, la première réflexe, je me suis dit, est-ce que je suis mort? Mais je ne sentais aucune douleur, donc j'ai commencé à me tâter un peu partout sur le corps pour voir si je pouvais trouver la blessure, mais je ne trouvais rien. Mais je sentais que mes jambes ne pouvaient plus bouger. Et à un certain point, j'ai réalisé que, au fond, sur le côté de ma hache, j'avais une plaie vraiment très grande. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. Et en perdant connaissance, entre-temps, je revenais
Et je regardais vers ma famille, je voyais les gens encore en train de tomber, il y en a qui étaient encore assis, et je repartais encore, je revenais. Mais une image que je ne vais jamais oublier aussi, c'est que ma petite sœur qui avait 4 ans à ce moment-là, elle a été touchée au bras, mais elle avait son pouce, elle souciait son pouce, donc son bras était transpercé par une balle, mais je crois qu'elle ne l'a pas senti parce qu'elle était toujours en train de soucier son pouce et elle ne pleurait pas. Ça, c'est vraiment une des images clés que je ne vais jamais oublier. Et par la suite, j'ai dû perdre connaissance encore. Et à un certain moment, j'ai revu les miliciens qui étaient rendus autour de moi, qui me tâtaient pour voir si j'étais mort. Et un d'eux disait qu'il croit que je suis toujours vivant. Puis le commandant ou le militaire qui était en charge, il a fini par dire qu'ils n'ont pas le temps. De toute façon, si je ne suis pas mort, je vais finir par mourir. Donc, à ce moment-là, ils ont quitté. Et la prochaine étape que je suis revenu à moi, on était dans une van. Il y avait moi, deux de mes sœurs, donc ma petite sœur de 4 ans, ma sœur Rita qui avait 13 ans à ce moment-là, et mon frère qui avait un an de différence avec moi, un an plus jeune que moi, Bobo. Lui, il était très blessé au ventre. Et il y avait une cacophonie, je repartais, je revenais. Et à un certain moment, on a fini par arriver à l'hôpital, le CHK. Et là, à l'hôpital, je me suis dit que c'est là qu'on va vraiment mourir. Parce qu'à ce moment-là, aux urgences, il n'y avait que les militaires de l'armée gouvernementale. Tous blessés, en agonie, en train de crier. Et il y avait nos trois, nos quatre, les quatre enfants qui arrivent en civière. Et je me suis dit que c'est sûr que soit ils vont se venger sur nous ou si on n'est pas mort sur le trottoir, c'est là que ça finit. Et le médecin qui faisait le triage a commencé à nous toucher, à nous tâter, regarder. Puis à ce moment-là, il triait rapidement. Il disait, lui, il va mourir. On n'a pas le temps. Lui, il a peut-être une chance. On le met de côté. Et à ce moment-là, le docteur a regardé ma jambe. Il a dit, ah, lui, on va l'amputer, mais il va survivre. Là, j'ai crié. J'ai dit, non, je ne veux pas qu'on ampute ma jambe. Car je compte devenir un grand joueur de soccer. Et le docteur a dit, non, si on n'ampute pas ta jambe, elle va finir par s'infecter. Et puis, j'ai dit non, je vais quand même la garder, peu importe. Puis, ça dit, ah, puis on s'en fout, prenez-la. Et par la suite, ils nous ont poussé les quatre sur les lits. Ils ont nous dirigé vers une chambre, quoi. Et ils nous poussaient les quatre. Et c'est à ce moment-là que Bobo, mon petit frère, lui, j'ai vu qu'on l'a dirigé vers la morgue. Donc, j'ai vu au bout qu'il y avait la morgue. Donc, j'ai compris que lui, c'était terminé pour lui. Et... Je précise par rapport à Bobo, parce que Bobo, c'était vraiment moi. On était presque jumeaux, donc on était toujours ensemble, on était toujours habillés de la même façon, et c'était vraiment mon complice. Et c'est, je crois que c'est à ce moment-là que vraiment j'ai réalisé que ce que je vivais, ça se passait pour vrai. Par la suite, on est arrivé dans une chambre où est-ce qu'il y avait plusieurs autres blessés. On était peut-être une quinzaine dans cette chambre-là. Et on allait y rester pendant à peu près un mois. Et ma sœur, Rita, avait reçu 3 balles, une dans le ventre, une dans un bras et dans une jambe. Donc, elle était en soins intensifs. Mais moi et ma petite sœur, moi, j'étais blessé, donc j'avais ma jambe qui ne bougeait pas. Et j'avais une plaie, mais ça, à part ça, j'allais bien. Ma petite sœur, on lui avait mis un plâtre sur son bras. Donc, on est resté là. Et là aussi, à l'hôpital, la nuit, des fois, ils venaient puis ils prenaient des gens. Donc, des fois, les militaires rentraient puis... Le lendemain, il manquait toujours une personne. Donc là, chaque matin, je me réveillais en me demandant s'ils ont peut-être pris ma petite sœur Mado ou ma sœur Rita. Et par chance, ma petite sœur, elle était toujours à côté de mon lit quand je me réveillais. Et à l'hôpital, on a eu la chance d'avoir une dame qui se cachait là à ce moment-là et qui connaissait mes parents. Donc quand elle nous a vus arriver, elle nous a tout de suite reconnus et elle s'est mise à s'occuper de nous. Donc, elle s'occupait de nous en allant voler quelques aliments pour essayer de nous concocter des repas. Puis, elle veillait aussi à ce qu'on s'occupe bien de nos blessures. Elle restait à côté de ma sœur qui était en soins intensifs. Et cette dame, je tiens vraiment à parler d'elle parce qu'elle aussi, elle nous a vraiment sauvés. Comme moi, je ne me souviens pas toutes les peines qu'elle traversait pour nous trouver à manger, mais je me souviens que les 3 enfants, chaque jour, ont mangé 3 repas, contrairement à la majorité des gens qui étaient dans la chambre. À un certain moment, elle a réalisé qu'au fond, pourquoi on est arrivé à l'hôpital, pourquoi on nous a sauvés après nous avoir tiré dessus,
c'est que des militaires sont passés après qu'on se soit fait tirer dessus et un d'eux a vu ma sœur Rita qui avait 13 ans et il s'est dit qu'il aimerait bien la garder. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait en faire, s'il voulait en faire une esclave sexuelle ou quoi que ce soit, mais par chance pour nous, en la prenant elle, il a pris moi et ma petite sœur en même temps. Et mon petit frère, c'est ce qui nous a sauvés. Mais ces militaires-là, ce militaire, je dis c'est parce qu'ils ont fini par devenir deux, mais ce militaire venait voir régulièrement ma sœur comment elle allait pour que dès qu'elle soit guérie, il puisse l'emporter chez lui. À un certain moment, il a eu même une concurrence. Un deuxième militaire est venu et il se battait un peu les deux pour que dès que ma sœur sera guérie, ils vont là, ils la prennent. Et à ce moment-là, une autre chance qu'on a eue, c'est que une fois que cette dame a su que les militaires cherchaient à prendre ma sœur, elle a essayé désespérément une autre solution pour nous sortir de l'hôpital. Elle a trouvé un monsieur qui venait de Niamey-Lambo. C'était un Hajj, donc moi, je l'ai toujours appelé Hajj. Puis lui, on lui a dit qu'il était dans les partis gouvernementaux, mais il sauve beaucoup de gens, donc il a caché des rescapés et des Tutsis chez lui. Et elle est allée le voir et elle a supplié de nous prendre les trois, ou du moins prendre ma sœur Rita. Et en nous voyant, il a réalisé qu'il connaissait notre père aussi, par chance. Donc, quand il a vu qu'il connaissait mon père, et une de nos tantes était cachée dans sa maison par hasard, par pur hasard. Et à ce moment-là, il a commencé à apporter à manger des vêtements pour nous. Et à un certain point, quand ils allaient prendre Rita, une fois qu'elle commençait à bien aller, il nous a pris, il nous a cachés dans son coffre de voiture et il nous a ramenés chez lui, à Niamey-Lambo. Et on allait rester à Niamey-Lambo de ce moment-là jusqu'à la prise de la capitale par le FPR. Mais moi, le plus gros du génocide, c'est là que ça s'est passé. Parce que rendu à Niamey-Lambo, étant mélangé avec les enfants du Hajj, donc qui étaient intouchables, on pouvait circuler dans le génocide. Donc, étant un petit garçon et venant de la maison du Hajj, les miliciens ou les gens qui tuaient dans les rues ne faisaient plus trop attention à moi, donc à moi et les petits garçons qui étaient avec moi. Et je me suis mis vraiment à me promener dans le génocide. Je regardais les tueries, je regardais... ça. Si on avait plus de temps, je pourrais vraiment aller dans les détails, mais je l'ai vécu comme ça en voyant les gens se faire tuer tous les jours. Il y avait un des voisins, si je peux raconter une petite anecdote rapidement, je me souviens que lui, avant de tuer les gens, souvent, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais oublié ça, mais il leur demandait toujours s'il avait quelqu'un pour les enterrer. Donc, il te demandait est-ce que tu as quelqu'un pour t'enterrer. Si tu disais oui, il te tuait sur place. Si tu disais non, il t'emmenait à un peu plus loin, un trou, un endroit où est-ce qu'ils enterraient les gens. Et cette personne-là, je l'ai vu tuer des gens quotidiennement. Et puis, à un certain moment, quand le FPR a approché, une fois qu'ils avaient pris une bonne partie de la capitale, à Niamey-Lambo, les gens ont commencé à paniquer. Donc, le Hajj aussi a commencé à paniquer. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer une fois que le FPR allait arriver dans le village, dans la ville. Et tout le monde a commencé à partir vers le Congo. Par réflexe, tout le monde rentrait dans les camions et partait au Congo. Et le Hajj nous a pris, moi et mes sœurs et tout le monde qui le cachait. Il a commencé à remplir une camionnette et prendre des bagages pour qu'on parte tous au Congo. Et encore une fois, une chance qu'on a eue, des militaires qui étaient un peu désespérés, ils l'ont braqué avec des armes pour pouvoir prendre cette camionnette-là pour eux se sauver au Congo. Donc, en perdant la camionnette, on ne savait plus quoi faire. On est retourné à l'intérieur chez le Hajj, mais on ne savait toujours pas comment ça allait se terminer. On ne savait pas si le FPR rentrait dans la ville par sécurité, parce qu'il y avait encore des miliciens qui tiraient vers le FPR. S'ils allaient tout simplement pas prendre de chance ou ils allaient vraiment prendre le temps de rentrer maison par maison. Et par chance, ils sont rentrés maison par maison. Ils nous ont trouvés et ils ont rassemblé tout le monde à une église qui n'était pas trop loin pour pouvoir sécuriser le quartier. Et une fois qu'ils ont sécurisé le quartier, on a pu revenir chez le Hajj. On est rendu en juillet, une fois que la guerre a arrêté. Et un de mes oncles qui se trouvait dans le FPR finit par tomber sur la dame qui nous avait aidés à l'hôpital, par pur hasard, encore une fois. Et cette dame-là savait que mon oncle était dans le FPR et elle savait qui il était. Elle lui a dit, si tu vas à Niamey-Lambo, tu vas dans telle rue, dans tel coin, tu vas trouver des gens de ta famille. Et mon oncle, lui, il croyait que la dame était peut-être un peu
en folie à cause des événements, mais quelque chose a fait qu'il est quand même allé, il a suivi ses directives, il est quand même allé à Nyamirambo, à l'endroit qu'elle lui avait dit, et il nous a retrouvés, moi et mes sœurs. Et à partir de là, il a contacté tout le monde, nos tantes qui arrivaient du Burundi, ma grande sœur qui était ici, et ils ont commencé à prendre soin de nous et faire les arrangements pour qu'on puisse venir au Canada. Donc, en novembre 94, donc de juillet, en novembre 94, on arrivait à Québec, vers le 21, dans la ville de Québec. Donc, c'est là que les trois, moi, ma petite sœur et ma sœur Rita, on avait encore nos plaies qui étaient encore très fraîches, mais on est arrivé à Québec, on a rejoint notre sœur qui avait une vingtaine d'années à ce moment-là, et c'est elle qui a pris la charge de nous élever à partir de ce moment-là. Donc, on a grandi, élevé par ma grande sœur. Par chance, on s'en est quand même tous bien sortis. Donc, juste par finir sur une note positive de cette histoire-là, donc, moi, je suis ici, une trentaine d'années, je vis à Montréal, j'ai une carrière. Ma sœur Rita, qui avait 13 ans à ce moment-là, elle a trois enfants, dont le plus récent qui a un an maintenant. Et ma petite sœur Mado, qui avait 4 ans, elle a été diplômée à l'Université de la Sorbonne depuis l'année passée. Elle aussi, elle vit en France. Et ma grande sœur Janine, maintenant, elle a 4 filles et vit ici dans les environs d'Ottawa. Donc, les quatre, on s'en est bien sortis, par chance. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Et puis, donc, je vais terminer là mon histoire, mais je vais vous remercier de m'avoir donné la peine, le temps de raconter mon histoire. Mais aussi, je voudrais vraiment souligner le courage de tous les gens comme ma sœur, par exemple, qui se sont retrouvés parents ou sœurs, frères, juste par circonstance. Je vais aussi demander à tout le monde qui va regarder peut-être cette présentation que si vous connaissez des rescapés ou des gens qui ont vécu cette période-là, dans ces temps-ci où est-ce qu'on est tous confinés, je crois que c'est vraiment, vraiment très important que vous preniez de leurs nouvelles, parce que je sais que certains vont vraiment retomber dans cette période-là, parce que toute guerre commence toujours par un confinement. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui, en étant renfermés chez eux, ne pouvant pas sortir, se rappellent de ces événements-là ou se retrouvent tout simplement tout seuls et à repenser à ces horribles circonstances qui sont arrivées en 94. Donc, je vous remercie beaucoup. Nous te remercions, Chico, pour ce témoignage très touchant. Et à travers toi, nous saluons le courage de tous les autres qui, comme toi, personnifient la résilience du peuple rwandais. Et encore, merci pour ce rappel de solidarité en cette période rendue plus difficile encore par le contexte actuel. What follows is a short representation showcasing our duty to preserve the memory of the victims of the genocide against the Tutsi. They all had faces, names, singular stories that we should always remember. Please watch.
I now invite the representative of the Government of Canada to give his remarks. Honorable Rob Oliphant is the Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs of Canada. Sir? Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, tout le monde. High Commissioner, Excellencies, Friends of Rwanda, Mesdames et Messieurs, Mui Rihwe. Good afternoon. It is very good for me to be here with you, and it's a tremendous honor for me to represent our minister and our government here at this very solemn remembrance of the 26th anniversary
26 years since the genocide against the Tutsi in Rwanda. A solemn remembrance for those who perished, mostly Tutsi, of course, moderate Hutus and others who opposed the genocide who lost their lives as well. Last year, our Governor General was honored to attend the 25th anniversary of the commemoration of the genocide against the Tutsi in Kigali. It was a few weeks after I myself had been in Kigali and in Rwanda, and I heard the stories of courage, of reconciliation, but also of pain and suffering. And I think that that has marked me forever. So I thank you for inviting me to be with you today and for the opportunity to represent Canada, because we have all shared in this tragic story. I think today I'm pleased that we're able to go ahead with this virtual ceremony, despite the disruptions from the coronavirus, to remember that life is always precious. And it's important that we come together to commemorate Rwanda's journey of transformation and reconciliation as the country continues to forge courageously a path out of a very difficult period into a tremendous future. Today we remember the victims of the genocide, but also we hold together the survivors of the genocide. And I want to thank all of you for your participation today, particularly to Chico for telling that story. Very moving, very important, and it's something that all Canadians need to hear. Au nom du gouvernement du Canada, je remercie le Haut Commissariat de la République de Rwanda d'avoir organisé cet événement virtuel. Aujourd'hui, nous pouvons ensemble joindre notre voix est celle des Rwandais et Rwandaises qui, partout dans le monde, honorent la mémoire des victimes de cette affreuse tragédie. Nous tenons à exprimer notre respect pour les survivants et pour tous ceux et celles qui ont consacré leur vie à la reconstruction et à la réconciliation dans leur famille et leur communauté. The 1994 genocide against the Tutsi forces every one of us to renew our commitments to prevent and to respond to the most serious crimes under international law: genocide, war crimes, crimes against humanity. This fundamental commitment has been reaffirmed repeatedly at the UN, and Canada continues to welcome the work of the UN Special Advisor on the Prevention of Genocide, Adama Dieng, for his commitment to advocate and ensure that these atrocities will never happen again anywhere in the world. It is with much regret, however, that we also acknowledge that genocide continues, even to this day. In the fall of 2018, Canada's House of Commons voted on a motion to recognize that the crimes committed against the Rohingya, the Muslim Rohingya, and other ethnic minorities in Myanmar constituted genocide. I was proud of that moment. I was not proud of the world, but proud of our House of Commons for taking the moment to remember a genocide and to declare it as such to the whole world. Canada sees efforts to bring a justice to those most responsible for serious international crimes as an essential component to efforts to prevent mass atrocities. And it's that in that regard that we welcome the unanimous decision taken earlier this year by the International Court of Justice to apply interim measures in the current case that the Gambia has brought against Myanmar concerning the Genocide Convention. Canada continues to work with like-minded countries, the United Nations, other multilateral and regional organizations, and civil society to strengthen our collective commitment to preventing mass atrocities, to enhance early warning mechanisms, and to respond effectively to impending crises. Canada is proud to support the UN Special Advisor on the Prevention of Genocide on the mechanism of responsibility to protect, a concept pioneered by Canada when we sat on the UN Security Council. The government of Rwanda's commitment to women and young people, to youth empowerment,
converges with Canada's own values. It's by addressing today's challenges in an inclusive, tolerant, and respectful manner that we can prevent the resurgence of the hatred that led to this genocide. As we grapple with today's global pandemic, it's important to keep working together to strengthen these areas of collaboration while we pursue a common vision of a more prosperous and peaceful world. In particular, I think that Canada and Rwanda have forged an important relationship that started before the genocide against the Tutsi, but continues even stronger today. We share a commitment to improving peacekeeping, notably through our support of the Kigali Principles on the protection of civilians, the Paris Principles, and the Vancouver Principles on the prevention of the recruitment and use of child soldiers, which General Dallaire knows so well. These are three complementary frameworks. It shows how we can work together, particularly with Rwanda, as a sibling country, and look forward to future collaboration on every important issue that we face. We believe it's responsible to go into the world together to make it a better place. We also believe that good governance has to be inclusive of diversity and differences, and that government should be accountable to its people, and that women and men and youth together should be playing a more active role in public institutions and in our economic life. Those are messages that I learned on my trip to Rwanda. And I will say an aside that is not in the remarks given to me by the government to give today, that I've traveled extensively to Africa and many, many countries. When I came back from Rwanda, I thought it was maybe the first country in Africa that I would like to live in. And I say that because of the history of Rwanda, the present and the future. The future, I believe, is one which is about reconciliation. It's a one about prosperity for all the people. And it's one that we are committed to in Canada of working together as a model for the world. Since 1994, Rwandans have rebuilt and developed their country in a remarkable manner. This achievement is highly commendable, and not enough Canadians know about it. Even more so knowing that this country, Rwanda, and all its people, and Canadians who have Rwandese background are resolutely continuing on a path aimed at greater economic prosperity, greater inclusiveness, poverty reduction, and a place that Rwanda needs to take in the world as a leader. Le thème de la commémoration, remember, unite, renew, nous rappelle une fois encore l'impressionnante résilience dont a fait preuve le peuple rwandais au fil des 26 dernières années. Chers amis rwandaises et rwandais, l'esprit de réconciliation et de tolérance qui vous anime constitue la base de la reconstruction sociale et physique de votre pays et nous fournit une grande source d'inspiration pour tout le Canada. My sincere gratitude for inviting me today, the honor of sharing this time with you, of listening to important stories, and committing again on Canada's behalf to be a partner in reconciliation, prosperity, and peace. Merci beaucoup. The High Commissioner of Rwanda in Canada, Mr. Prosper Higiro, will now deliver his keynote speech. Thank you very much, Right Honorable Rob Oliphant, Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs of Canada, General the Honorable Roméo Dallaire, leaders of the Survivors Associations here in Canada, both Montreal, Ottawa, and Edmonton, friends of Rwanda, à tous les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement les amis et de façon particulière M. Chico Tirenga qui nous a présenté un témoignage très poignant et pour le courage qu'il a eu de faire ce témoignage avec beaucoup de précision
et beaucoup de résilience. I will, at this juncture, thank you very much, our panelists. Thank you all for having accepted our invitation to this ceremony. Thank you for the strong message you have given us. And especially, we are gathering today in this way because of the challenging period we currently live in a context of social distancing here in Canada as well in the whole world because of the coronavirus that we are experiencing right now. So in this context, we deemed it necessary to harness the power of technology. So we come together for this commemoration program. That's what we call in Rwanda, Kwibuka 26. In fact, 26 years on, this moment in the year never gets easier for all Rwandans. It is a heavy day, a day of remembrance, as we honor the memory of more than 1 million of our loved ones, victims of the genocide against the Tutsi in 1994. To us Rwandans, this memory is still vivid as it involves our beings, loved ones, communities, and actually the whole nation. This period is also a time when we comfort those like Chico Chirenga who survived and pay tribute to the sacrifices of many others who brought Rwanda back to life, as Rob Oliphant has just stated it. As a nation, this annual exercise is the materialization of our people's resolve to come to face with our history and continuously learn how to live with it. Reminiscing about our tragic past with courage and wisdom condemns us to stay vigilant and avoid that it happens again. It's how we collectively stay reminded of our individual duty to ensure that genocide never happens again in Rwanda or anywhere else in the world. This remembrance and mourning period is also a recognition of the triumph of our unity over anything else. From a country that was believed to be a hopeless place back then in 1994, we have been able to build a united society fueled by the desire to lift each other's up. We have relied on our rich and profound culture to create new bonds of solidarity, which both comfort and renew. Kwibuka is then the inspiring recognition that our society is united and should forever remain so. It is how we remain focused on joining our hands to recreate a successful and transformed country. I would like to recognize the friends who have remained by our side during this difficult journey. We thank the government of Canada for being present today and represented by our very, very good friend of Rwanda, Mr. Rob Oliphant. As Canada have always been present in the previous years,
and for its continued partnership witnessed during the post-genocide period. I also recognize the various associations of survivors of the genocide against the Tutsi working in Canada, namely Humura Association, Page Rwanda, and Memory Keepers. And there are others across Canada. Their work is an invaluable contribution to the cause that gathers here today. We at the High Commission of Rwanda in Canada are grateful for their continued assistance, including in organizing events such as this one. Les progrès réalisés sont nombreux, mais nous sommes également conscients du chemin qui reste à parcourir. 26 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, la soif de justice n'est pas complètement étanchée. La négation du génocide et le révisionnisme prennent de l'ampleur, notamment ici au Canada. Donner un sens profond au slogan « Plus jamais ça » de « Never again » requiert que le monde se joigne aux efforts du Rwanda pour s'assurer que justice soit rendue et que le négationnisme soit combattu sous toutes les formes que ses auteurs lui donnent aujourd'hui. N'oublions jamais que le génocide, étant un projet macabre et ignoble, c'est d'abord et avant tout une idée qui est lancée, défendue, partagée, mûrie, pour enfin être mise en œuvre. Nous devons tous lutter contre le divisionnisme, le discours de la haine. Et c'est sur ces mots que je voudrais conclure mon propos, tout en vous présentant maintenant notre orateur principal de toujours, our guest speaker, who is, I don't think he really needs an introduction, the Honorable General Romeo Dallaire. He is very well known here, not only here in Canada, but everywhere in the world, including in Rwanda. He's the founder of the Romeo Dallaire Child Soldiers Initiative, a global partnership with a mission to end the recruitment and use of child soldiers. But most notably, General Dallaire is very well known for his book, J'ai serré la main du diable. And General Dallaire was appointed force commander of the UNAMI, United Nations Assistance Mission for Rwanda, prior and during the 1994 genocide against the Tutsi. So General Dallaire, welcome to this ceremony and you have the floor. Thank you. Merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Mr. Minister, thank you for being here. Also, membre de tous les groupes représentation de la population qui est ici au Canada, émanant du Rwanda, et l'association, le travail qu'ils font d'une façon continuelle, délibérée et avec énormément de dons de soi. Je voudrais aussi souligner les Canadiens qui vont regarder ce programme, mais aussi globalement, si l'opportunité va se présenter, de montrer à quel point nous désirons que cette commémoration de 26e ait eu lieu, même dans des conditions de cette situation
de quasi guerre contre un ennemi très complexe et auquel tout le monde fait face, c'est-à-dire une réunion tout de même par voie électronique. Et sur ça, je vous félicite, M. l'ambassadeur, et tous les organisateurs ici au Canada. I'm speaking to you as also, just like Chico, a witness, and many of you, of course, have been witnesses. And in so doing, from a perspective that makes it exceptionally difficult to contend with the fact that although I was representing an international body, that I found myself with my few troops totally abandoned, as the Rwandan population was abandoned 26 years ago. The genocide started, of course, by an extreme violent act at the airport. And that really, ladies and gentlemen, in fact, happened nearly about this time that we're talking. And of course, the genocide launched itself full force during the day of the 7th of April. It didn't take long for the international community to notice that this scenario was being played out, but it did not want to recognize the fact that it wasn't something that was punctual, that was tribal, that was simply a problem of power sharing by a limited elite. It took them too long to realize that we were actually in a genocide, that we were actually trying to see or notice or observe that a group was trying to destroy and eliminate another group of human beings with whom they could not seem to reconcile to build a prosperous country. We live, many of us, with a guilt of that past. It will stay forever as you live with the scars of the events. We live with not only having seen so many people who were killed outright, but seeing even more who were martyred. Martyred because the aim was not to kill, it was to make suffer and to humiliate and to make people feel every possible psychological and physical suffering before they died. That venom that was in this genocide is, to me, one of the most horrific demonstrations of how human beings can be so inhuman to others. And when they render human beings no more at the status of equal, but in fact, even considering them as insects. The insult to this scenario can only be articulated as one that could perpetuate the horrors of conflict, and that is the use of children, of youths, to conduct so much of the killing. The Interahamwe were youths. They were indoctrinated and guided, and they were committed to the destruction of other human beings. That cannot be erased. The use of young people to destroy human beings that adults have inculcated in their minds, the need to do that. That is a crime against humanity and a crime that I continue today to fight. The theme this year, the theme of Remember and Unite and Renew, those are exceptionally active verbs. They are there to give a dynamic to not only the commemoration of the past, but also the building of the future.
I think that the remember dimension is one where we must be exceptionally activists. Il est grata de mettre dans notre pays au Canada, comme on l'a vu dans d'autres pays, que le révisionnisme soit considéré comme illégal. Non seulement inapproprié, non seulement non acceptable, mais littéralement inégal, tout comme de refuter le Holocauste pour la communauté juive. Révisionnisme du génocide des Tutsis au Rwanda est pour moi un acte criminel et il devrait avoir la puissance du gouvernement canadien à l'imposer sur ceux qui veulent tenter de réécrire l'histoire, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient des gens des lettres. On ne peut nier ce qui est arrivé et cet exercice, pour moi, c'est une perversion de l'histoire et un refus fondamental de comment l'humanité peut être si ignoble devant d'autres êtres humains. Continuez à documenter, continuez à parler, demeurez activiste et ne laissez jamais cette mémoire disparaître que le Rwanda a été la scène d'un génocide d'une ethnicité Tutsi qui a été abandonnée par la communauté internationale. Et il est facile d'accuser les Nations Unies, même simpliste, d'accuser les Nations Unies pour avoir abandonné les Rwandais. Non, on a fait des erreurs tant sur le terrain qu'au secrétariat. Mais l'abandon a été par tous les autres pays du monde qui auraient pu intervenir et qu'ils ont absolument refusé. Et c'est là la faiblesse de la communauté internationale. Ce n'est pas le fait qu'une structure comme les Nations Unies qui n'a pas pu amener la solution, c'est que chaque pays a délibérément pris une décision de ne pas vouloir le résoudre. Deuxièmement, je pense qu'il est important de relever le volet de unite, unifier. We are all equal. There is only one humanity. And that humanity now is under enormous duress as it's fighting for itself. And it's probably hopefully going to bring it closer together. It is hopefully going to give us some lessons that we need to recognize that we can all be victims due to a variety of circumstances, just like this pandemic. But what I think is most significant about the concept of uniting is the fact that we have a shared duty to all other human beings. We can Skype nearly with anybody in the world. Just look at what we're doing today. And so there's no right by any authority to try to argue that they didn't know, that they couldn't react fast enough because they had not been warned sufficiently in time. That's erroneous. That is camouflage. We have a duty to engage, to remain engaged, and in fact, to act. And that is, to me, the essence of unite. It is a duty to humanity. And I think the last theme to renew is one of the optimism that is nascent in the younger generations that are coming through, that are recognizing that humanity is one being, one entity, and that this whole renewal, particularly in the young Rwandans that I meet as I continue to go back and as we train more and more Rwandan soldiers to be peacekeepers, to become the second contributing nation in all of the world to peacekeeping, as at the time General Kagame, but at the time President Kagame promised that he would commit to peacekeeping
and that he would help any nation that finds itself under duress by one element or the other. And so in these very challenging times, it's time for us to unite, to grow, to mature. And I wish to particularly identify the leadership role that Rwanda has in Africa, in the world. The first ones, the first African country to sign the Vancouver Principles that literally says no more will children be used as instruments of war. Rwanda has continued to lead and has permitted me to establish a center of excellence that we're going to make it pan-Africa. It will be a permanent institution in Africa to train, educate, and change the attitude of security forces in regards to the use of children. And in so doing, never again permit children to be used as they have been and make child soldiers unthinkable. The suffering, it's there. The memories, they don't fade. What we are living with, however, is far too often the guilt of not having done enough. The 12, now 11, veterans that Canada did send me, 12 soldiers, that's all I got. They're all hurting, they're all suffering, but they are all committed to the experience they lived in Rwanda and to the Rwandan people. So I salute you, Mr. Ambassador. I salute to all the leaders of the Rwandan community, and I salute President Kagame and your government for continuing to lead in a progressive way, not only your nation, but so many other nations in Africa, into a new era, an era in which we are all equal. We are all, yes, human. Thank you very much. Thank you, General. Thank you for this note of humanism. Ladies and gentlemen, this concludes our online session of Kwibuka, the 26th commemoration of the genocide against the Tutsi in Canada. We thank you for joining us in this unusual times. The discussion about the themes that we've addressed during this session can continue on our social media platforms. Thank you again. Please stay safe, strong.